fermer les centres de rétention administratif, enfermer Brice Hortefeux et sa milice active. La France une terre d'écueil pour tous les miséreux du monde. Charter raf, les contrôles pour tous les bas années ça gronde. Dans les cras et les TA, ils veulent étouffer le débat. La parole parle ton face, c'est le total bafouement du droit à la dignité humaine et le retour de la double peine. En double peine, y'a Le Pen et les idées de la droite extrême reprise par l'UMP dans un popage électoral. Si le FN l'avait mené, ça aurait clairement fait scandale. Merci à la crise médiatique du politiquement correct, aux journalistes qui s'appliquent à mentir au peuple, on rectifie la vérité. Car les sans-papiers sont muets pour les sans-papiers murés à l'ombre des barbelés du Ménil-Amelot à Rennes et de Roissy à Vincennes. C'est cri larmes, douleur et peine, c'est grisaille, couleur et peine. Ils contrôlent et veulent stopper l'immigration. Ils rêvent de voir expulser sans sommation tous les nègres basanés ressortissants du tiers-monde. C'est maintenant qu'il faut lutter, abattons la bête immonde. Ils contrôlent et veulent stopper l'immigration. Ils rêvent de voir expulser sans sommation les électeurs UMP veulent une politique raciale. Sarko l'a promis, l'a fait, et nos frères du Sud en chiale. Bienvenue dans le pays des soins, des endroits de l'homme. On est de retour sous Vichy, le droit fondamental on dégomme. On enferme les sans-papiers plus que les criminels. Attention où tu mets les pieds, ils se cachent dans les ruelles. Politique de répression à coups de quota et de matraque. Étrange arrestation devant les écoles, on les traque. On les envoie au CRA, escortés par les CRS. Conditions de vie insoutenables, on diffuse les SOS. Et on voit plus loin et accuse l'Occident. Car si les immigrés affluent, non c'est pas un accident. Regarde les conditions de vie dans leur pays d'origine. On les aide pas, au contraire, on les pousse à partir. On profite de leur main d'œuvre, ensuite on les retire. La France a le rôle du profiteur et fortifie son empire. Mirador et Barbelé ont créé les centres de la honte. On parle du sort des sans-papiers, mais leur histoire n'est pas un conte. Ils contrôlent et veulent stopper l'immigration. Ils rêvent de voir expulser sans sommation tous les nègres basanés ressortissants du tiers-monde. C'est maintenant qu'il faut lutter, abattons la bête immonde. Ils contrôlent et veulent stopper l'immigration. Ils rêvent de voir expulser sans sommation les électeurs UMP veulent une politique raciale. Sarko l'a promis, l'a fait, et nos frères du Sud en chialent.